C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. Malgré la dégradation, le talent artistique est éblouissant. Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non. Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia! Arrête! Père! Je croyais t'avoir perdu. Content de vous voir ici. N'en veuillez pas à Sophia, elle est prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines, la cité perdue du prophète est tout près. Venez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant! Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée. Waouh, époustouflant. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Va réparer le générateur. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux autres colonies, qu'elles sachent ce qui nous menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux, il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Ce vase devait être magnifique avant.
Mais quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok, c'est compris. Si on voit quoi que ce soit, on fera sonner la corne. Dieu vous protège. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Je ne croyais pas qu'on y arriverait à l'époque. Bonjour. Ça fallut 10 ans. Mieux vaut ne pas en parler. Il te reste pour forger. Les têtes pointues, c'est plus rapide à faire que les têtes larges. Il reste tout en place. Salutations. Manquer de gaz pour le chalumeau.
Je dois pouvoir faire encore 4 plaques pour les barricades, 5 au maximum. Après, il faudra que je fasse le plein. Ça va pas être facile. J'ai traîné les dernières bonbonnes depuis la prison soviétique il y a déjà plusieurs années. Quand tu seras à court, il ne te restera plus que le marteau et le burin. Il doit bien y avoir d'autres moyens. Les soviétiques ont tout laissé sur place. On a passé 2 jours entiers à ratisser ces vieux bâtiments. Il n'y a pas d'autre choix. Encore un hiver difficile pour mon peuple. Il y a plus de décès que de naissances désormais. Et saison après saison, les plus jeunes s'impatientent. Je les vois lever la tête quand les rares avions passent dans le ciel loin au-dessus de nous. Pensifs, rêveurs, curieux. Je sais qu'ils sont toujours dévoués à la cause, mais je sens qu'un changement se prépare. Bientôt, notre mode de vie disparaîtra. Les derniers envahisseurs ne sont plus qu'un lointain souvenir, mais d'autres trouveront notre vallée. Et nous sommes liés au destin de ce lieu à jamais. Pour le meilleur, et pour le pire. Ça va te plaire. C'est jamais. Salutations. Jacob Amézik. C'est jamais complètement remis après les soviétiques. Et maintenant, ça. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur qui pourrait en entraîner d'autres. J'ai passé du temps seul avec Alia. J'avais réussi à éviter cela jusqu'à présent. Elle me rappelle ma très chère Sophia, que je croyais avoir oubliée depuis longtemps. Mais la blessure s'est rouverte. Elle m'empêche de penser clairement, même quand elle n'est pas présente. Je me fais l'impression d'un enfant écervelé, et cette époque est loin derrière moi. Je dois enfouir ces vieux sentiments et m'éloigner de mon peuple quelque temps. Ça y est, ça parle d'une chose qui est cachée. Besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Je suis venu aider. Qu'est-ce que je peux faire? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagées par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider? Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Ramenez-les-moi quand vous les aurez trouvés.
Jeunes gens, vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien, voici votre première leçon. Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leur terrier quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez, évitez de me ramener un rat. Les fidèles du prophète sont partis vers l'est. Le périple a été pénible. Il doit y avoir quelque chose par là. Incroyable. Cette architecture est antérieure à la naissance de l'Église orthodoxe. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Une boucle de ceinture en or. À la fois belle, résistante et pratique. Elle faisait partie d'un uniforme militaire.
J'ai laissé ma femme aux mains de ces médecins. La maladie a évolué comme nous le craignions. Sa peau s'est transformée en écaille et ses extrémités sont devenues insensibles. Ils disent qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, si ce n'est essayer de soulager ses souffrances et rendre sa mort moins pénible. Mais elle doit rester loin de la cité, loin de moi. Ma femme va mourir et jamais plus je ne la reverrai en ce monde. Je vais hâter mon passage dans l'autre pour la rejoindre. Collier en or. Le niveau de détail est incroyable. L'artiste qui l'a fait était aussi doué que ceux de l'Empire. Parfaitement conservé. Ça devrait tenir. Je dois juste trouver un moyen de monter. Thank you.
Nous souffrons de notre isolement. Nous détenons tout le savoir médical de l'Empire, un millénaire d'enseignements qui nous indique comment soigner la moindre affection. Mais ici, aux confins du monde, l'absence d'une simple fleur nous rend impuissants. Je ne peux rien faire pour les malades. Je connais les techniques, mais je ne peux les appliquer, car nous avons dû nous cacher. Ces gens, et bien d'autres après eux, vont mourir en vain pour protéger notre secret. Je prie pour que le prophète ait raison quand il dit que nous finirons par être récompensés. Codex. On dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit. Thank you.